Dans cette édition, on revient sur la charte des terrasses. À Lille, les terrasses en dur disparaissent peu à peu. Rue Rieux, les commerçants les ont démontées pour accueillir des parasols géants d'ici quelques semaines. Pour le moment, la rue est en travaux, mais les socles pour accueillir ces nouveaux abris ont d'ores et déjà été installés. Pour le maire adjoint Jacques Mutaise, même s'il a fallu 2 ans pour venir à bout de cette charte des terrasses, elle aura des avantages économiques certains. La ville porte particulièrement intérêt à ce que cette charte soit bien acceptée et que les commerçants se l'approprient, parce que bien entendu, il y a l'aspect esthétique, il y a l'aspect sécurité également, n'oubliez pas, hein, c'est un gros problème, mais aussi et surtout, au-delà de ces deux aspects, il y a l'aspect commerce. C'est-à-dire nous sommes très attentifs, et Madame le maire en particulier, sur le fait que ce sont des entreprises avec des salariés. Et la fonction économique et sociale est aussi importante que la fonction esthétisme.